Hello les amis, c'est Alex. Aujourd'hui c'est une vidéo détente sur Assassin's Creed 3. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire quelques quêtes annexes ensemble. Donc par contre je préfère vous préciser qu'il risque d'y avoir encore une fois du spoil. Mais c'est vrai que faire quelques petites quêtes annexes avec vous, je me suis dit que pour ceux qui hésitaient encore sur l'achat de ce jeu ou non, eh ben vous en verrez peut-être un petit peu plus que lors du test. Par contre je sais pas du tout ce qui nous attend. Donc là c'est une sauvegarde où on a terminé le jeu, donc c'est pour ça que je préfère préciser... En début de vidéo qui risque d'y avoir quelques spoils, mais je vais pas vous bien sûr vous parler du scénario encore une fois. Et nous sommes... Ah d'accord, nous sommes dans notre camp. Je vais juste vous montrer un petit panorama. J'hésitais à dire 2-3 choses sur ce camp, mais je préfère éviter au cas où, encore une fois, de divulguer trop d'informations. Puisque c'est vrai que le début du jeu, voire même jusqu'au chapitre 6, en fait, il y a énormément de... surprise, j'en ai pas trop parlé dans le test, mais c'est vrai qu'il y a des passages avec Desmond, ça c'est pas non plus un spoil, je vais pas vous dire ce qui se passe, mais vu que dans tous les Assassin's Creed, on a toujours... je vous montre ce petit panorama. C'est vrai que c'est magnifique, ça on le voyait dans les trailers cet endroit. Avec Desmond, donc on a bien sûr des passages, ça c'est pas une nouveauté, c'est pas une surprise non plus j'ai envie de dire, puisqu'on a toujours eu des passages avec lui. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de rebondissements au début et c'est là directement qu'on comprend plus le scénario, d'où vient l'envie de se battre encore plus contre les Templiers. Donc c'est pour ça dans le test j'ai préféré encore une fois éviter de trop en divulguer, même si je trouve que le test, enfin là à l'heure actuelle le jeu encore n'est pas encore sorti. Donc je sais pas si le test vous aura plu ou pas, mais c'est vrai que je suis pas trop content parce que je vous ai pas trop dit ce que je pensais finalement du jeu, donc cette vidéo me permettra aussi d'en dire un tout petit peu plus et essayer de parler un tout petit peu mieux puisque j'ai eu vraiment du mal à m'exprimer. Donc ici nous sommes encore dans le coin campagne avec vraiment le côté nature avec les animaux. Il n'y a pas de poisson d'ailleurs, tiens ça me fait penser quand... Ça aurait été sympa un petit côté pêche aussi, pourquoi pas. Regardez l'animation quand il court, il veut pas se mouiller. Ah non ça le fait plus. D'ailleurs, les vêtements, on peut remarquer qu'ils sont pas mouillés du personnage. Enfin, c'est qu'un petit détail, hein. C'est pas ça qui va m'empêcher de jouer de nombreuses heures à arpenter, que ce soit les rues de la... J'allais dire les rues de la ville, ouais, c'est plutôt logique. Enfin, ça pourrait être les rues d'un village en même temps. Mais également de passer de nombreuses heures à explorer les environs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quand même... Faut se fixer un but. Alors, ici, on a les missions... Celui-là, je l'ai débloqué. Ah, voilà 2 missions. Donc ça, c'est la plume que j'ai pas réussi à ramasser. On va peut-être essayer de la faire. Tiens, normalement, je peux me déplacer. Ouais, je peux faire un voyage rapide. On aurait pu y aller à pied. Mais j'ai pas envie d'y aller à pied. Ou même à cheval. Tiens, je pourrais vous faire un petit passage à cheval. Juste 2 secondes. Ok, pardon, je préférais vérifier que tout enregistre. Ah, je vois qu'il y a un coffre ici, mais il est bien gardé. Donc on va essayer de récolter la plume. Par contre c'est vrai que dans ces lieux je sais pas comment on fait pour devenir incognito, puisque normalement c'est par rapport aux affiches et autres. Oh, punaise. Il y a des lapins, c'est quoi ça? C'est un ragondin? Non c'est pas un ragondin, qu'est-ce que c'est que ça? Hé, reviens. Je vais te tuer. On fera peut-être un petit peu de chasse d'ailleurs. Donc on a dit plume, mission d'assassinat et fort. Donc le fort... J'allais faire une blague pas marrante. Tiens, il y a toujours la patte d'ours. Là, on avait fait notre mission. Moi, j'ai joué encore un tout petit peu depuis. Hein, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc, on va aller chercher cette fichue plume. Cette fois-ci, j'ai envie de trouver comment on fait. Après, on va faire une petite mission d'assassinat. Petit ok pour ne pas changer. Et après, je pense qu'on se fera quelques petites missions. Je crois qu'à Boston, il me reste plus grand-chose. Je crois que j'ai fini Boston. Mais on se fera peut-être dans New York. New York ou Boston? Peut-être Boston cette fois-ci, puisque je vous ai montré New York dans le test. Donc vraiment, pour moi, un jeu énorme, je me le répète, mais c'est... Moi, c'est surtout ce qui m'a charmé, au-delà que ça soit... Bah, c'est un Assassin's Creed, Assassin's Creed. Je suppose que on va me faire des reproches par rapport à ma façon de le prononcer, mais bon, c'est pas très grave. Au-delà du fait que ça soit toujours un... On reconnaît bien entendu... qui fait vraiment partie de la série, mais c'est surtout ces nouveaux environnements et cette liberté d'action qui n'est pas que forcément en ville. Yeah, j'ai tué un renard. Qui n'est pas que dans les villes comme on avait pu l'avoir précédemment dans les autres épisodes. C'est ça qui m'avait charmé aussi dans le premier épisode. C'est que lorsqu'on allait dans les villes,
On pouvait également se déplacer à cheval. Bon, certes, c'était très limité et très linéaire. On ne pouvait pas non plus aller où on voulait. Mais on avait cette liberté un petit peu de pouvoir se promener quand même en cheval. Déjà dans le premier épisode. Donc ça, c'était quand même excellent. Alors, cette fois-ci, je vais te récupérer. C'est la première fois d'habitude. Les plumes sont un petit peu comme les points de vue. C'est tout le temps un petit peu exactement au même endroit. Enfin, par exemple, il y a des arbres pour avoir. D'accord. Pour avoir des points de vue, et les arbres sont toujours les mêmes. Ce sont des grands arbres. On aura. Non, j'allais dire, on aura peut-être la possibilité d'en voir un ensemble. Ça m'étonnerait, puisque je les ai tous récupérés. Donc, comment je fais pour avoir cette plume-là? Je comprends pas. Il y a peut-être une écorce. Non, il n'y a rien. Parce que là, c'est ce qui me semblerait le plus logique, c'est que j'atteigne la branche qui est au-dessus, mais j'ai aucun moyen. Donc là, on va aller là. Oui, c'est cette liberté d'action. Comment je peux faire? Pourtant, ça devrait être. Je comprends pas. Il y a sûrement un autre moyen d'accès. Comment je peux faire? Parce que là, si je vais. Connor! Tu serais pas en train de te moquer de moi là? J'ai fait exactement la même chose que dans le test. J'y crois pas. J'ai rien changé. Ok. En plus, je peux pas descendre. On va descendre comme ça. J'ai rien fait de plus. J'ai rien fait. C'est juste le joueur à croire qu'il avait pas envie. Bon là par contre ça va se compliquer un tout petit peu. Je vais vous expliquer la situation. Ce sont des forts, il faut les tuer. Généralement je crois que c'est deux Bobby. Deux chefs de ce fort pour le libérer. Et après il faut hisser un drapeau. On peut y aller de façon... regardez. Trouver et détruisez la réserve de poudre. D'accord, là en fait ils nous disent pas... trouver et assassiner le capitaine, d'accord. Parce que des fois, il y a en quête annexe, c'est d'y aller sans se faire opérer et de tuer directement le grand patron. Mais vu que ça nous l'est pas proposé, et ben moi je vais y aller comme un gros psychopathe. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que sinon, je risque de mourir énormément de fois. Est-ce que je peux accéder déjà par là? C'est bizarre. Ah, je peux pas. Non, tu veux pas. Apparemment, il doit y avoir qu'une seule entrée. Non, pas par là. Hello les amis! Je fais que de passer. Faites comme si j'étais pas là. Et après, vous allez voir, je vais avoir 200 personnes derrière moi à me courir après, mais c'est pas très grave. Notre but. Oh mince, c'est fermé! Non, je m'arrêterai pas! C'est la première fois que j'en vois un fermé, tiens. Parce que j'en ai fait 3 ou 4. Et normalement, la porte de devant est toujours ouverte. Peut-être que je me suis fait repérer, donc du coup, ils l'ont fermé. Tiens, c'était ici l'entrée. J'aurais très bien pu rentrer sans me faire opérer du coup. Donc, là c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Vite, vite, vite! Le pistolet, le pistolet. Faut que je tire dans le baril, le baril, le baril, le baril, le baril, le baril. Le baril! Le baril, j'allais! Ok, bon, je vais me débarrasser de vous. Vous commencez à me gonfler. Je veux mon épée. Tu vas pas commencer à me gonfler. Il appelle le vent. Ah, je vois rien! Je vais juste en tuer quelques-uns. Histoire de pouvoir faire sauter la poudre. Et juste après, je vais aller tuer l'autre Bobby en haut. Alors, ils sont où les bidons explosifs? Faut peut-être que j'aille le récupérer quelque part. Vous en... Non, 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 non. Je suis à 2 cm de son ami. Parce que des fois, le baril explosif... je t'ai vu ramasser... le fusil. C'est pas bien de se vanter quand ça... Bon, t'as raté. Tiens, un coup de pied dans les fesses. Allez, meurs. Meurs un autre jour. C'est bon. Bon, alors, il est où le baril? Parce que ça, je pense pas que ça soit le baril explosif. Peut-être ici, de ce côté-là. Mince. Mince, mince, mince. Ah, incendie. Ah mince, faut que je devienne anonyme pour l'incendie, d'accord. Ah, parce que d'habitude, c'est utiliser un baril. Il y avait bien marqué utiliser un baril tout à l'heure. Je dois sûrement pouvoir en trouver un. Déjà, toi, je vais te tuer comme ça, hein. Et voilà, ça c'est fait. Iska, tu vas te battre. Tu vas te battre, espèce d'andouille. Donne-moi ton fusil. Non, je vais ramasser le fusil de l'autre. Comme ça fera un petit peu de bagarre. Je vois un point rouge à côté de moi. C'est quoi? C'est pas toi la poule avec le point rouge, quand même. Hey! Tu m'as attaqué en traître. Ça, c'est vraiment pas cool. Bon, bah tiens, donne-moi ton fusil. Ils sont où les autres? Ils sont de l'autre côté. Et là, je peux pas vraiment être incognito, donc on va aller tuer tout le monde. Ou alors.
Non, j'ai envie de tuer tout le monde en fait. Ça me plaît bien. Hop, petite caméra comme ça. Adios. Plus besoin de ce fusil moi maintenant. On va se trouver un endroit pour être incognito. Après, il faut que je trouve un baril. Parce que là, je sais pas où ils sont. Regardez à chaque fois. Petit détail. Je vois pas. Petit détail. Regardez au niveau du linge qui est tendu. Ça fait bleu, blanc, rouge. Enfin, ça se voit plus. Ah, mince, je me suis gouré de touche. Attends, Ça se voit plus lorsqu'on est en ville. Mais ça fait vraiment bleu, blanc, rouge. Allez, incognito cette fois. Comment ça, je suis pas incognito à cause de ceux qui sont là-bas? Ils sont trop loin pour me repérer. Bon, normalement, je me rappelle des fois d'avoir ramassé des barils qui étaient à proximité. Je suis désolé si vous en avez vu un et moi je le vois pas. Et là, je sais qu'on peut en ramasser, les porter. T'aurais pas vu un baril, monsieur? Lui, il lui en faut peu pour mourir. Bon bah je crois que j'ai pas le choix, on va sortir de cette zone et on va revenir tranquillement. Coucou. Je ne fais que de passer. Je vais sortir, je vais revenir une fois que je serai incognito. Normalement je suis sorti. Mais c'est bizarre, ça reste indiqué en rouge là-bas. Ah punaise, je suis désolé. Bon c'est léger contre-temps, c'est bon. Normalement si j'y vais... Bon bah j'ai pas de baril, je vais juste quand même explorer un tout petit peu parce que ça serait idiot de rater cette quête optionnelle. Si je mets cette vue, je crois que c'est indiqué normalement le baril. Alors... Viens avec moi petit baril. On va faire mumuse ensemble. Et après, ce fort sera à nous. Je ne sais point. Je pense que si je le pose là, ça devrait suffire. Prendre un petit peu mon élan. J'ai pas besoin de viser forcément, mais bon. Et boum! Et il me reste plus qu'à hisser le drapeau de la victoire. Et ça sera fini pour cette quête. Cette petite. Enfin, je dis quête annexe, c'est pas réellement des. Enfin, si, on peut dire que c'est une quête annexe. Mais on ne peut pas dire que c'est une quête annexe, mais c'est quand même une quête annexe. Et nous allons hisser le drapeau. J'avais fait un mélange de dresser et de hisser. Ça allait donner drisser. Un drapeau américain. On va faire le petit truc qui est à côté où je dois tuer une personne. Il n'y a rien de plus simple. En plus, on va aller dans les arbres. Je vais essayer de vous montrer un truc qui est vraiment cool. Allez! Allez-vous-en de chez moi. C'est chez moi maintenant. Je vais prendre normalement, il y a toujours un coffre après, donc autant le récupérer. Par contre, à chaque fois que je récupère le coffre, je me fais attaquer par nos alliés, c'est un petit peu idiot. Mais bon, c'est comme ça. Attendez juste 2 secondes, c'est quoi ça? Oui, désolé, mon téléphone était en train de sonner. Je voulais voir si c'était important ou pas. Alors, normalement, il y a toujours un petit coffre. C'est toi qui as mangé le coffre, non? Alors, il est où? On l'entend. Violent. Ah, il est juste là. Ah, ça va me permettre justement... Faut que j'arrête de dire justement, c'est horrible ce tic. De vous montrer le système de crochetage qui a s'arraché les cheveux. Donc en fait, je... Avec le bouton gauche de la souris... Du joystick, je tourne et au bout d'un moment, une fois qu'il se bloque, j'ai plus qu'à faire la même chose avec l'autre stick, le stick droit. Et à ce moment-là, vous allez dire, c'est pas si compliqué que ça. Mais là, il ne faut plus bouger. Et matraquer RT, mais matraquer RT, vous bougez d'un millimètre les deux pads. Il faut tout recommencer depuis le début. Et à moi le trésor enfoui. C'est tout. Enfin si, c'est beaucoup, c'est énormément d'argent dans le jeu. Mais je m'attendais peut-être à avoir d'autres choses plus intéressantes. Des fois, il y a d'autres choses qui viennent avec. Allez, saute. Je vais vous montrer un petit peu la vue, qui est encore une fois sublime. Et pour ceux qui me connaissent. Regardez, par contre, c'est pas très détaillé, c'est ce que je vous disais dans le test au loin. Mais c'est pas partout. Désolé pour dehors, si vous entendez les sirènes, c'est indépendant de ma volonté. C'est pas partout, il y a des endroits, même au loin... Ah, je voulais monter là-dessus. Même au loin, c'est très détaillé, et d'autres où ça l'est un petit peu moins, c'est en fonction du lieu où vous êtes. Regardez-moi ça, les montagnes
en fond. Bon. Ne perdons pas de temps. On va faire ça. Non, connard. J'ai dit connard. Tu descends. On va... D'accord. Autant prendre la grande porte cette fois-ci que je peux y passer. De toute manière, je crois que j'ai pas le choix puisque l'autre côté c'était en sautant. Ah, enfin, elle est ouverte. Ouverte? Ouvert? Ça y est, j'ai des bugs. On va se faire cette mission. Et après, on ira en ville. Par contre, la nuit va tomber. C'est vraiment un petit peu dommage. J'aurais aimé avoir la possibilité de choisir le cycle jour-nuit en dormant. Ou peut-être qu'on peut le faire d'ailleurs. Ça, c'est vrai que dans le domaine, enfin le manoir chez nous, je ne l'ai pas trop fait. D'habitude, c'est pas comme ça, tiens. Merci. D'accord. Ah, d'accord. Il m'a juste refilé sa mission d'assassiner quelqu'un. Et maintenant, contrat d'assassinat. Ah mince. Ah là, c'est juste les contrats que je récupère et je dois les assassiner en ville, si je dis pas de bêtises. D'accord. Bon. Bon. Ça, j'avais envie de le faire aussi avec vous, lutteur de Boston. Mais bon, je le ferai de mon côté. Donc nous, bah, on va aller cette fois-ci à Boston. S'il y a rien d'intéressant à Boston, on y fera juste un petit saut pour que je vous montre à quoi ça ressemble. On va aller là. Oui, c'est vrai que j'aurais bien aimé, par exemple, vous montrer... le lever de soleil, enfin c'est pas vraiment ça, c'était plutôt sous la neige. À ce moment-là, il faudrait que je recharge une séquence, mais j'ai pas envie de montrer trop de passages du scénario, encore une fois. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un jeu que je peux vous conseiller à acheter les yeux vraiment fermés. Enfin, gardez-les ouverts quand même pour regarder les paysages, mais vous m'avez compris. Après, ça sera pas forcément au goût de tout le monde, cette époque, ce personnage, ce héros qui a un charisme complètement différent de Ezio ou de Altair, bien sûr, ça n'a rien à voir. C'est à vous d'accrocher et à l'époque et au personnage. Et à d'autres choses. Ah, punaise, il y a... Là, regardez, par exemple, ici, c'est des forts que j'ai débloqués. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que là, j'ai plus grand-chose à part récolter des papiers. On s'en fout un peu de récolter des papiers, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est faire... Ah mais ça c'est un autre contrat d'assassinat, bon on va aller voir, comme ça me permet en même temps de vous montrer un petit peu cette... C'est le ville qui est Boston, avec une province à proximité qui est fort sympathique encore une fois, et qu'on ne verra pas non plus. Les toits sont vraiment jolis, c'est ça, en fait dans la vidéo que j'ai faite découverte, c'est ça qui m'a, je vais pas dire le plus choqué, mais qui m'a le plus... un petit peu épaté, c'est qu'on a l'habitude d'avoir des toits plutôt en... d'une autre époque et de voir des toits un petit peu plus modernes, un petit peu plus récents, c'était ça qui m'avait choqué. Enfin, encore une fois, choqué, c'est un bien grand mot, mais qui m'avait marqué durant la vidéo détente. La vidéo découverte, punaise! Reprends-toi, essaye de parler. Et c'est vrai, c'est à ce moment-là que j'ai fait quand même waouh. J'ai fait waouh. Et d'ailleurs, la vidéo découverte, oh punaise! J'avais même pas fait du début du jeu, j'avais fait à partir de la séquence 2 pour éviter de vous spoiler, mais il y en avait quand même. Donc, bon, on va voir si lui me propose de faire d'autres assassinats. Comme ça, ben, c'est pas par là. C'est pas par ici. Bon, là, ça ressemble un petit peu au port de New York. Mais bon, alors, comment j'y accède? Pardon, monsieur. Je ne fais juste que de passer. Ok, d'habitude, il saute directement dessus, mais là, il n'a pas voulu. Le New York, c'est un petit peu embêtant, il y a toujours de la pluie. Ah punaise, vous auriez pas pu mettre directement sur le bon ponton. Plutôt que me faire faire toute cette gymnastique entre les toits. Allez. Punaise, 200 mètres. À slalomer entre les gens. Regardez-moi cette populace. Ils sont énormément nombreux. Ah oui, je vous ai pas montré du coup le truc que je voulais faire, assassiner la cible tout à l'heure. Parce qu'il faut le faire logiquement d'une branche. Mais bon. On l'a vu dans les trailers. En fait, c'était avec la dague à corde, comme ils l'appellent. La lancer. Et à ce moment-là, sauter de la branche. Et ça permet de faire pendre notre adversaire. Donc c'est quand même une partie intégrante du gameplay. Ah bah si. Comment je vais le tuer, lui? Ah, vite réfléchi. Faut que je trouve un moyen rigolo. Qu'est-ce qu'il y a de rigolo comme façon de tuer ce bonhomme?
Ah bah tiens, les flèches empoisonnées, je vous avouerai que j'ai terminé le jeu et je ne les ai jamais. Je crois. Je ne les ai jamais utilisées. Bah tiens, c'est. Au plaisir de pouvoir les essayer. Comment ça se passe? Ah, il m'a repéré? Non? Il m'a repéré? Ah, non! C'est quoi cette bonne femme qui m'a fait tomber? Non, 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 non! Ah, il y a un autre trésor ici. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ah, il est là. Ah bah, il va se faire tuer tout seul. Bon bah. Je vais quand même t'empoisonner pour le plaisir. J'ai empoisonné le mauvais! J'ai empoisonné le mauvais! Parce que j'ai peur que si. Il se retrouve à mourir d'une autre main que la mienne, ça fasse échouer le truc. Non! Non, punaise! Tu m'as gonflé, voilà, je t'ai assassiné, maintenant j'ai tout le monde aux trousses. Et voilà, tu m'as gonflé, l'autre il est empoisonné, regardez-le. Bah alors? Ça on l'avait déjà dans le 2, je crois. La possibilité de les empoisonner, c'est. C'était plutôt marrant puisqu'ils tapaient également leurs amis. C'était plutôt marrant. Finish him. Petit trésor. Maintenant il va falloir que je trouve une affiche aussi pour redevenir anonyme. Babiole de Boston. Bon, cette petite affiche. Et nous, on va aller direction New York. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, parce que c'est vrai que j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, en fait. Mais vu que j'allais y jouer, je me suis dit qu'ensemble, ça pouvait être plutôt marrant. Donc j'espère que vous trouvez ça marrant, sinon je vais vous en vouloir. Allez, New York, New York, New York, New York. On va aller ici. Normalement, il me reste un petit peu plus de choses à faire, puisque c'est vrai que Boston... Je m'étais empressé, lorsque j'y étais arrivé la première fois, de faire tout ce qu'il y avait de possible et imaginable à faire. Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Parce que j'aimerais quand même que la qualité de la vidéo soit sympa pour que vous puissiez avoir... Que ça vous donne une idée un petit peu de ce que nous propose graphiquement le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Y a pas une petite... Ah, on va faire celui-ci. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une mission... Hein? Mais cette mission de libération, c'est pas celle qu'on avait fait en vidéo, je me rappelle plus. Ah bah tiens, on va faire... Ce point d'aigle, attendez, j'ai des pertes de mémoire, j'ai l'impression que c'est des choses qu'on a fait durant la vidéo. Non, le point d'aigle, je crois qu'il était plus bas. Bon, on va déjà faire cette mission. Ah, c'est dommage. Je préfère vraiment vous faire la vidéo quand il fait jour et que ça vous donne vraiment un bel aspect. Ça, c'est mon... C'est mes tocs. J'aime vous donner vraiment le... Enfin, d'un côté, c'est bien aussi de vous donner le... pas forcément que le plus bel aspect des jeux. Mais c'est vrai, je préfère avoir une belle image de jour avec le soleil qui éclaire bien les rues et tout. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. On a eu de la lumière durant la campagne au début. Et regardez, enfin écoutez plutôt le son du tambour. Alors, ah, il est juste là. Comment je pourrais l'assassiner, lui? Je veux une façon marrante. Attendez, faut bien que je l'assassine, lui. Je vais juste vérifier que la cible devient rouge. Ou alors il va me refiler juste un de ses contrats moisis. Ah bah ouais, il va me refiler un de ses contrats. Ok. Donc, quelle est ta cible, petit bonhomme? En fait, il faudrait tout simplement que j'arrive à discerner les gens à tuer. D'accord, il n'y a plus rien à indiquer. Bon bah je vais me récupérer ce trésor, je vais récupérer une feuille. En fait, au final, ça ne sera que des missions pas palpitantes qu'on aura fait. Bon, on va peut-être se finir plutôt sur une bataille navale. Avec notre superbe bateau. Au moins, il y aura plus d'action et ça sera peut-être plus marrant. Parce que là, tous mes plans sont tombés à l'eau. Ou alors, j'avais l'idée de chasser aussi un petit peu. Ah, je crois que ça va bugger. Des fois, il y a des bugs, en fait. Ah, regardez. Le coffre, il est trop haut, donc je suis en train de crocheter dans le vide. Enfin, en même temps, c'est... Oh, oh, ça arrive de temps en temps, ce petit bug. C'est la première fois que c'est aussi... Ah, je croyais que ça avait raté. C'est la première fois que c'était aussi haut, tiens. D'habitude, c'est légèrement décalé, mais pas autant. Alors, on a dit point de vue. On va faire ce point de vue ensemble. Après, j'aimerais bien chasser quand même un ou deux petits animaux. Et après, quoiqu'une bataille en bateau, ça fera peut-être un peu long en vidéo. Alors...
Ouais, je préfère terminer par de la chasse, on va faire un petit peu de chasse. En bateau, vous en avez eu une mission durant le test. Mais c'est vrai que je pensais qu'il allait y avoir quand même plus de quêtes annexes. Il y en a quand même 2-3 autres qui sont un petit peu plus intéressantes, mais qui spoilent un petit peu l'aventure. Tiens, je vais récupérer le papier juste si je le peux. Il y en avait d'autres, mais j'avais pas envie encore une fois et encore une fois de le dire. Je préfère ne pas rien. Ne réellement pas gâcher votre découverte et votre aventure. Ah non. Allez, dites-moi que je peux le rattraper d'ici. Des fois, il remonte. Ah, il remonte, remonte, remonte. Non, tu remontes pas. Ah, il remonte pas. Yeah. Parce que des fois, en fait, on prend des petits raccourcis à Super Mario. Et ça nous permet de retomber pile poil dessus. Je suis fou. Mais non, je voulais pas aller sur. Mais non, dépêche-toi, il va nous repérer l'autre. Et c'est là dont je vous parlais dans le test, ça manque juste un tout petit peu de quelques mélodies, même si, comme je l'avais dit, juste l'ambiance sonore de la ville ou de la campagne. Même, j'ai fait une mission hier, de l'eau qu'on entend s'exploser, comment je pourrais dire? S'éclabousser, ouais, s'exploser sur les rochers, c'était vraiment magnifique à voir et même à entendre. C'était vraiment très travaillé, je m'attendais pas à ce que ça soit. Qu'ils aient pensé réellement à faire ce détail, mais c'était vraiment poussé. Ah tiens, je vais vous montrer la lune justement. Comme quoi c'est un petit peu pixelisé. Ah là, pas trop. Peut-être à cause du brouillard, mais sinon le ciel est un petit peu pixelisé et la lune aussi. C'est pour ça que j'ai des souvenirs de nuits vraiment étoilées de Red Dead Redemption où c'était vraiment magnifique. D'ailleurs, je comprendrai jamais. Enfin, je crois que j'avais lu des news par rapport à ça, pourquoi ils n'avaient pas sorti de version sur PC. Ça, c'est une de mes grandes déceptions, encore une fois. Ça aurait pu être quand même cool d'avoir des mods et tout. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Hop. Alors. D'accord, c'est là-bas. Hop. Et on va aller chasser de nuit. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo détente vous a plu et vous a montré un petit peu plus déjà d'une part des environnements et une part du jeu. Et aussi que vous avez passé un bon moment et que ça vous aura fait rire. Enfin, je vois pas ce qu'il y avait de drôle. Oh, est-ce que je peux sauter? Yeah! Alors, on va passer par là. D'accord, j'allais dire, j'espère qu'ils vont pas me remarquer. Ça, c'est marrant, on voit les balles, vous avez vu, qui ricochent contre la palissade et qui rebondissent. C'est marrant. C'est vrai que les balles, on a l'impression qu'elles vont à deux à l'heure. Et un petit point de vue, et je pense que ça sera le dernier. Ah bah tiens, regardez, la pluie. Il pleut toujours à New York, c'est vraiment fou. D'ailleurs, c'était marrant parce que dans le test, j'avais attendu ouais 20 minutes, je crois, pour pas que vous ayez de la pluie. Ah, c'est là qu'il faut que j'aille. Pour pas que vous ayez de la pluie. Et j'avais rien à faire pour attendre, donc je courais autour d'une tour. Je me suis dit que ça allait faire peut-être monter le soleil plus vite. C'est vrai qu'après, en voyant au montage, quand j'ai enlevé cette séquence, je me suis dit que des fois, j'ai quand même un grain de courir autour d'un truc, ça sert à rien. Ah! Du coup, j'ai fait un point d'observation, ça nous a... Ah! Parfait. On va faire juste cette mission de libération. Après, promis, on s'arrête là pour la ville et on va aller chasser... Elle est où, la lune? Ouais, bon, on a encore le temps avant que le soleil se lève. Yop là. Alors. Qu'est-ce que ça va être? J'espère que ça sera un truc autre chose que de tuer un chien malade. Il y en a qui sont plutôt marrantes. C'est vrai qu'il y en a deux qui sont pas forcément terribles. C'est celle avec le chien malade. Et brûlé aussi. Monsieur, s'il vous plaît, venez m'aider. Oui. Que puis-je pour vous? J'étais en train de moissonner quand ces diables rouges m'ont attaqué. Je veux juste vendre ma récolte en ville. Et comme j'ai résisté, ils sont allés chercher des renforts. Il faut que je termine ma récolte et je ne peux pas les repousser seul. D'accord, ok, on va devoir les repousser. Je l'ai déjà fait. Et regardez au fond, il y a un moulin, il y a des petits moulins qui sont jolis. Et lui, c'est qui lui? Voilà, il y aura un petit peu plus d'action. Donc mission avec le chien qui est pas terrible. Et mission aussi... Où on doit... non, 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 attendez, l'épée. Mission avec le chien. Et une mission où on doit brûler des couettes de gens malades. Mais pourquoi tu tapes pas? Mais attendez, il y a un problème, pourquoi il tape pas? Regardez, j'appuie, il fait rien.
C'est un bug? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais... Oh, j'ai un bug! Je peux pas me battre. Je peux juste contrer. Regardez, je peux pas... Attendez. Hop. Hop. Parce que je vous l'ai peut-être pas forcément dit. Oh, heureusement... Oh, punaise. Heureusement qu'il y en a... Heureusement qu'il y en a eu que 3, parce que la dernière fois j'ai fait ce genre de mission, il y en avait beaucoup plus. D'accord, ok. Bizarre. Oui, d'habitude il y en avait beaucoup plus, mais là il voulait pas se battre. J'ai eu quelques bugs, ça j'ai oublié de le dire dans le test. Des bugs de freeze, des fois quand j'affichais la carte. Mais vu que je jouais, en fait j'avais pas branché ma connexion internet, donc j'ai eu des patchs depuis, des mises à jour. Donc ça a peut-être corrigé le problème, parce que depuis j'ai plus de freeze. Mais j'ai eu quelques petits bugs dans ce genre là où par exemple je pouvais plus donner de coups. Il y avait autre chose aussi dans ce style là. Donc des petits moulins. Il y a des champs aussi, des champs d'agriculteurs qui sont jolis. Il y a des endroits au bord de la mer avec quelques habitations proches des marais. Où... Enfin, c'est vraiment un travail fourni qui est énorme et considérablement énorme au niveau de tout ce que nous propose le jeu. Et se promener, c'est vraiment ça quand même qui est le pied, c'est de se promener le long des marais, le long de l'eau, le long des habitations et de profiter pleinement des panoramas qui sont proposés. C'est juste ça que je regrette un tout petit peu, c'est de ne pas pouvoir passer la nuit, parce que là j'aurais bien aimé par exemple ici dormir, ou je sais pas, monter une tente et que le soleil se lève à ce moment là là ici nous avons les marais. Bon, allez, on va aller à la campagne, on va se finir sur la campagne. Laquelle campagne, puisqu'il y en a plusieurs, en haut ou en bas? Ah, on va aller... non, on va retourner là. Et après, on va monter par ici. Je crois qu'il y a des coins qui sont plutôt sympas. Il y a de la campagne plutôt sauvage et plutôt jolie. Et je vais essayer de tuer un garde aussi par la même occasion depuis un arbre. Et après, je pense que j'aurais vraiment fait le tour des quêtes annexes un petit peu avec vous. Même s'il y en a encore beaucoup d'autres, hein, plus passionnantes. Mais là, je me répète. J'ai pas envie... Ah punaise, mais pourquoi j'arrive... Je suis toujours de rechercher ici, ça c'est un truc qui me gonfle. Faudrait que vous me disiez comment on fait. On va aller vers le haut, je vais mettre un point. Ça aussi c'est un truc que je comprends pas, il y a toujours un point. Alors par exemple ici on n'a pas. Mais il y a toujours un point généralement qui est... Qui était... Tiens, on va aller vers là. Qui était toujours indiqué sur la carte. Alors j'indique rien du tout, mais il s'indique tout seul, c'est assez étrange. Enfin, c'est pas non plus réellement un bug qui va nous entacher notre façon de jouer, mais c'est un petit peu embêtant quand même. Il y a tous les animaux qui sauvent. Ah tiens, on va quand même poser un petit collet. On va tenter de les attirer. Faut se dépêcher, parce qu'une fois qu'on les pose, il y a des chasseurs qui viennent chercher notre gibier. C'est fourbe. On va prendre... ça, je vous l'ai pas dit, on peut appeler un cheval, siffler un cheval. On va peut-être le faire après, plutôt que de se déplacer toujours à pied. Est-ce que je peux mettre à un endroit pour observer? Ah, ici, parfait. Par contre, des fois, faut attendre pas mal de temps. Après, vous n'êtes pas obligé de rester à côté. C'est indiqué sur la carte, votre collet. Et c'est aussi également indiqué en haut de l'écran lorsque vous avez une prise. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Ah, c'est un messager là-bas. Ah, ah. Ouh là, c'est un petit lapin. Ouh, il y a plein de petits lapins. Est-ce qu'ils vont y aller? Parce qu'on peut les attirer comme ça, regardez. Hop, il va venir. Regardez les petits lapins. Ça sent le manger. Ah, il y a un autre qui fait ça sans le manger aussi. Et tiens, vilain lapin, fallait pas venir. Et voilà. Je suis un sauvage. Encore une fois que dans les jeux... Oh non! Oh le chien, pourquoi tu m'as repéré? J'étais en train de chasser le lapin tranquillement. C'est pas grave, on va le semer. Je pense pas qu'il grimpe les arbres. Qu'il grimpe au mur. Non, on va tenter. Ah ah, je vois qu'il y a un point rouge. Est-ce que. Ouh! Je vais pouvoir tenter peut-être. Il me faudrait une vraie branche. Là, il n'y a pas des vraies branches. Je sais pas si ça marche. Ah mince, il n'y a pas de vraie branche. Je pense que de toute manière, il y en aura sur la route pour y aller. Je vais appeler mon super cheval.
Hop là. Au moins, il vient rapidement, lui. Et on va y aller. Ah, punaise. Ah, c'est dommage parce que c'est vraiment magnifique avec les effets de soleil, les champs comme ça. Hi-ha! On va aller. Ah, il y a un moulin aussi ici. Par contre, ah, je vois que je peux passer par là. Parce qu'il y a des montagnes de cheval. Enfin, des montagnes, c'est pas réellement des montagnes, c'est plus plutôt des falaises. On ne peut pas monter partout. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce jeu m'a redonné pas mal envie de refaire quelques vidéos, peut-être sur Red Dead Redemption. Pourquoi pas? Vous, je vous laisse la vie sauve. Vous avez de la chance. Oh, il y a un loup. Je crois qu'il m'a repéré. Les loups sont plutôt agressifs. Par contre, là, je crois que je suis en train de me paumer dans les bois. C'est un bien grand mot, ce paume. Ah, mince! 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 Vite! Est-ce que je peux passer? Ah, je peux passer par là. C'est cool. Par contre, là, je crois que je suis en hauteur, donc le cheval va pas sauter tout ça. Il y a peut-être des trucs à débloquer ici, tiens. Vu que c'est en se promenant qu'on découvre des choses. Ah. Désolé, le cheval, mais là, c'est trop tentant. Faut absolument que je l'essaye. Par contre, ils sont un petit peu nombreux. Hop. C'est pour ça, en fait, comme vous pouvez le voir, j'en ai 5. Mais le fait de le lancer, comme je vous l'ai montré durant les vidéos, c'est pas ça qu'ils voulaient qu'on sume. Mais c'est le fait de les... pendre un arbre. Tiens, toi viens vers moi. Et normalement, si je mets un à-coup vers le bas... Non! Je veux le faire! Je veux le faire! Je veux le faire! Laissez-moi le faire! Hop, hop! Allez, monte, 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 grosse saucisse! Mais monte, grosse saucisse! Ok. Vous avez voulu jouer à ça? Je vois plus rien. Je vois plus rien! C'est pas... Ah, d'accord, je vais mourir, j'ai plus de vie. Oh punaise! Ah, peut-être que si je meurs, au moins le soleil va se lever. Vite, vite, vite! Mais vite, mais vite! Il va tirer l'autre avec son fusil, je vois rien! Oh punaise, je suis mort comme un gros noob! En même temps, on voit rien avec ses angles de caméra moisés! Bon, bah j'ai pas réussi à le faire. Tant pis, vous essayerez de votre côté. En fait, c'est juste comme je l'avais dit, l'accrocher, après vous sautez et le tour est joué. Bon bah nous je pense qu'on va pas continuer plus longtemps. Ça fait... En fait ça passe vite le temps, je crois que ça fait... plus de 40 minutes peut-être qu'on est déjà ensemble. Mais vu que je m'amuse alors qu'il n'y a pas grand chose, on n'a pas fait des choses extraordinaires, mais vu que je m'amuse. Le temps passe vite lorsqu'on s'amuse. J'espère qu'il est passé vite aussi pour vous. Ah! Oh non, c'est encore le même groupe. Ils sont trop nombreux pour moi. En fait, il n'en faudrait qu'un seul... D'accord, ok, si tu veux. Avec leur tambour, ils sont trop nombreux. Moi, je voulais juste vous montrer, je crois qu'il y a un petit village ici. Qui est plutôt sympa, c'est à se promener. On va faire ça. Il y a également, dans la quête principale, des choses où c'est pas forcément nous qui sommes au combat, des trucs un petit peu plus stratégiques. Même si on retrouve pas ce qu'on avait, je sais plus, je crois que c'était dans... Ah, ici, ça doit être des pins. C'est marrant ça, ils ont pensé à faire la texture au sol des épines de pin. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est vrai que je sais plus si c'était dans Révélation Brotherhood, désolé, ma mémoire me fait défaut. Mais on avait des petites phases de gestion un petit peu de... Bon, ouh, ils ont fait demi-tour. Ah mais je suis anonyme, on s'en fout. Ah, fallait que je meure pour redevenir anonyme, d'accord. Il y a des petits coins aussi en haut, comme vous pouvez le voir, où on peut... pour la chasse. Ah oui, des phases de gestion un petit peu stratégiques où on devait contrôler des nos soldats, nos assassins, qui étaient plutôt original, j'ai envie de dire. C'était sympa d'avoir pensé à le mettre. Bon, là, ils nous l'ont pas mis parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que le côté, encore une fois, confrérie des assassins est encore une fois moins poussé. Bon, après, si vous m'avez fait des suggestions ou corrigé durant le test et que je le dis pas durant cette vidéo... je suis désolé, c'est encore une fois que j'ai pas encore posté le test. Normalement, ça sera demain, tiens, que je vous poste le test et je vais pouvoir enfin essayer le multijoueur. Et alors, tu es où la lune? Oh, regardez, elle a même pas bougé depuis tout à l'heure, c'est pas la peine, le jour ne se lèvera pas. Je vous montre ce petit village de nuit. Et nous, après, on s'arrêtera là. Alors, c'est quoi comme mission? Qu'est-ce que tu fais?
C'est mieux d'utiliser quand même un marteau, mais si tu veux le faire avec la main, pourquoi pas? Je pense pas que ça soit un assassin, je pense que c'est une personne qui va encore me livrer. Ah si! Il est où? Il est à l'intérieur? Est-ce que... Ah, dites-moi qu'il y a une branche à côté où je peux le suivre. Ou alors on tue de façon classique? Ah, il est intelligent, quoique il a pas l'air si intelligent que ça, vu comment il est buggé. Je crois que là, c'est pas normal, parce que... Pousse-toi. Regardez ce système de couverture, il est bien pensé, ça se fait tout seul, en fait. On se met derrière, et à ce moment-là, on peut regarder ce qui se passe aux environs, c'est bien fichu. Je veux bien, mais là, je vois pas comment je peux l'assassiner. Hein. Punaise, c'est quoi ce bug? Je peux pas rentrer dans la maison, parce que là, il est pas dans la maison. D'accord. Ouais. Bon, bah tant pis. Bon, bah on s'arrête là pour cette vidéo. Je regarde si j'ai pas un truc qui pourrait me permettre de le tuer d'ici. Ah, j'ai pas de mine. Bombe fumigène, ça va pas le faire sortir de là. On va quand même tenter parce que je vois qu'il y a un petit bout de tête ou de pied qui dépasse. Bon. Faut tirer au bon moment. Maintenant! D'accord, tu veux pas tirer? Tu veux pas tirer, hein? Bon bah tant pis, nous on s'arrête là pour cette vidéo qui a été finie un petit peu bizarrement. Bon bah j'espère que ça vous aura plu et encore une fois que ça vous en a montré un tout petit peu plus. Ça, je vais quand même terminer en chassant. Je vais aller là. J'espère que ça vous en aura montré un tout petit peu plus et que ça vous aura plu. Et encore une fois, merci à vous. Et à plus tard les amis. Allez, à plus tard. Oh non, pas encore un petit lapin, j'en ai déjà tué un tout à l'heure. Oh punaise, ça c'est un gros lapin. Oui, ça c'est du gros lapin. Et adios amigos!